L'actualité de ce dimanche 4 mars, bonsoir. Le leader des Rouges, Navin Ramgoolam, est revenu sur l'affaire Platinum Cord où la présidente de la République, Amina Gharib Fakim, a dépensé plusieurs centaines de milliers de roupies pour des achats personnels. Carte de crédit Platinum offerte par Planet Earth Institute, la fondation d'Alvaro Sobrino, homme d'affaires angolais hautement controversé. Le leader du Parti travailliste est catégorique. La garante de la Constitution doit quitter la présidence avant les célébrations des 50 ans de l'indépendance du 12 mars. On ne peut pas attendre une semaine pour qu'elle se retire, dit-il. Les averses accompagnées d'orages seront plus fréquentes durant la nuit. Il y aura des poches de brouillard et des accumulations d'eau dans certains endroits. La météo a émis un avis de forte houle et les sorties en mer sont déconseillées. La tempête tropicale du Mazil devrait passer à quelques 500 km de Maurice ce soir. Antonio Conte et Chelsea n'ont pas le droit à l'erreur. Les Blues affrontent Manchester City lors de la 29e journée de Premier League. Une victoire permettra à Chelsea d'entretenir l'espoir de finir dans le top 4, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Merci d'avoir été des nôtres. L'information continue sur l'express.me.